Bonjour à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Internet. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de chez nous, on est dans le 95. Mais aujourd'hui, je ne mixe pas, je fais profiter un petit pote que vous avez déjà vu dans un vlog. C'était le résident d'une discothèque très connue, le News 2.0. Il s'appelle Alan et ce soir, il mixe à ma place. Du coup, moi, je vais en profiter pour faire plein de petites vidéos en loge. Des vidéos de l'ambiance, etc, etc, ça va être sympa tout ça. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas déjà à mettre un petit like, un petit commentaire et un abonnement si c'est pas encore fait, ça fait super plaisir. Ça aide à faire avancer la chaîne et bientôt, en janvier, on va peut-être à New York. Alors plus il y a de monde, mieux c'est pour voir un peu les périples, ça va faire plaisir. Donc tout de suite l'intro et je vous présente la boîte et l'équipe comme d'habitude, tu connais un peu. C'est parti. Robinizi, ça déchire. Et nous sommes dans les loges du Grizzly avec Lorraine. How are you doing today? I'm fine, thank you. And petite anecdote, sachez que j'ai une clé de la loge du Grizzly depuis la dernière fois, je l'ai ramenée. Oh non. J'espère qu'ils ont réussi à la fermer la clé. Daniel, il va être content. Pardon, Daniel. Ouais, il y a Delisa. How are you doing today? I'm super fine, thank you. Ah, elle est bilingue. Bah, ouais, bah, bon, bah, je vais pas continuer à parler. Il y a Marion. Vous avez tous reconnu, hein? Avec sa bonnette. Elle est boutonnée. Stylée, hein? Ouais. Comment elle va, celle-ci? Fatiguée. Ah. La vie parisienne. Une vraie clubeuse, celle-ci, hein? Ah ouais, je pense que si je reste sur Paris pendant un mois, je meurs. Ah. C'est à toi de te mettre tes limites. Et bien vu. Je meurs. C'est trop une clubeuse celle-ci. Regardez comme c'est beau et grand. Cette boîte est vraiment beaucoup trop grande. Et voici les deux installateurs fous, Enzo. Et juste en bas, il y a Bastien qu'on voit pas trop. On dirait il est derrière les barreaux de Prison Break avec Mike Scofield juste en haut. Ça va les gars? Excellent, excellent, Zébardi, un maximum de bruit. Ouais. Et elle vient d'arriver du bureau de tabac, voilà. Avec le toxico là-bas. N'importe hein quoi. Ça va vous? Ça va et vous? On est là, hein? On est là. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Tu fais des, les petits licornes. C'est mis au travail. Stylé, hein? C'est stylé. Hello, Gaëlou. Tu fais quoi, toi? Tu roules ton shit? Ouais. Super, super. Pour ma motivation, après. Bien joué madame. Est-ce que tu crois que les gens du VIP ils vont vouloir des petits serre-têtes avec des petits... Des éoliennes? Non. Des petits sgegs. Ah. Oui, oui, je pense. Tu crois? Je pense qu'ils adorent les sgegs. Et les éoliennes, tu vois. Ça non. Waouh. T'es malade. Oulala. Eh ouais, ça va en bas là, hein? T'es jamais pris une boule aussi grosse, hein? Arrête. Bonsoir Alan. Comment il va celui-ci? Ça va et toi? Ouais. Du coup c'est toi qui mixe pour la musique ce soir? Ouais c'est ça. T'es chaud? Ouais ouais, je suis très 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 content d'être là, ouais. T'es stressé? Ouais. Franchement? Ouais. Ouais un petit peu une fois, ouais. Ouais ça fait bizarre hein. Ouais ouais mais c'est bien parce que en général c'est comme ça que tu fais les meilleures soirées. C'est vrai. Ouais. Mais là tu vas kiffer, tu verras. Il y aura les filles devant toi, il y aura un public et toi. On va faire ça. Une vidéo ou pas pour les écrans? Ouais 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 ouais, je peux t'en donner, ouais. Vas-y, trop bien. Ouais ouais carrément ouais. Ah tu donneras à Pascalou? Bonsoir Pascalou. Bonsoir. Lui c'est le MacGyver d'ici, l'homme à tout faire, le génie d'ici. C'est ça. Donc ouais, en plus t'as déplacé la régie et tout, parce que la régie elle était là-bas. C'est ça. Bien joué monsieur. Bon les gars, on est un peu fatigués, alors on va mettre une petite page de pub et on vous retrouve juste après. Tu veux rencontrer les filles les plus hottes de ta région? Envoie sexy au 8-12-12. Sexy au 8-12-12. Bon les gars, on a super bien mangé. Maintenant, changement d'ambiance. Vous êtes prêts? Bon les gars, on est à 10 minutes de la boîte, on est dans une fête foraine. Là on est que entre mecs. Les filles sont en train de se préparer, se maquiller. Et nous, on va faire la fiesta de la mama. Thank you.
Je suis prêt. Tu vas faire le toboggan de la mort. Okay, let's go. Voilà, t'es chaud? Pas du tout. Ah. Let's go. Oh. Aïe. T'étais nul à chier. Ça m'a le cul. Je peux jouer. Oui, attends, chacun son tour. S'il te plaît, Robbie. Oui, vas-y, c'est bon, vas-y. Allez, pioche. Regardez-moi ces deux enfants. La pêche au canard. Gros doigt à ça, moi. Allez, viens là, toi. Allez. Allez, Enzo. Par contre, tu vas avoir rempli le panier Enzo avant toi. Tu pleures pas, hein. Let's go. Let's go. Là, il est content, là. Viens, le salaud. Il a gagné. Lâche-moi. Enzo, t'as gagné quoi là? Des ailes. Ouais. Pour faire la danse. Et des canards. Pas beau gosse. Trop. Alors les ailes, dès que tu trouves une petite fille, tu lui offres. Ah, c'est gênant, on peut te dire. Mais non, hein, c'est gentil. Ils vont prendre quoi? Et la canard, on va les mettre dans les toilettes ce soir. Mais... en loge. On fera la pêche de canard dans les chiottes. Ouais, c'est chaud. Ok. On commence. Vas-y. Bon les gars, après la fête foraine qui était vraiment pas foufou mais on a quand même bien rigolé, on est de retour à la discothèque. Le parking est full HD, c'est blindé. Je pense que ça va être une très bonne soirée. On va se retrouver tout de suite en loge. Bon les gars, ça y est, on est en loge. Mais il y a un petit problème, c'est on cherche Enzo depuis tout à l'heure, on sait pas du tout où il est. Les gars? Oui. Il est où Enzo? Je sais pas. C'est sûr, il est dans les toilettes. Va voir. Vas-y, pêche. Allez, vas-y. Attention. Non, t'as plus de bois. Robbie, comment c'est une musique? Normalement, je joue que les bois. D'habitude, il est attaqué à la fin. Oui, c'est ton moment. Ouais, c'est ton moment. Allez, Ça va très bien. Ça va très bien. Vous verrez avec lui. Ouais, ça va. Le show commence dans 20 secondes, non? Ouais. C'est le rush. Est-ce que quelqu'un peut me dire où sont les 4 poupées? Ça va, vous les mettre? Nickel. C'est chaud. Ah là. Oui, bien. Ça va, Janouche? Ça va et toi? Ah là. Fais voir là. Là, tu dois frapper tous les gens qui ont vu la vidéo. Tous les gens qui ont vu la vidéo, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup de patates. Patates dans tes dents. Ça va, vous? Toujours, ça va, toujours. Toujours prêt. Toujours, ça va, toujours. Ça va, toujours. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pas à toi, ça. Oui, si. Ça, c'est aux filles, ça. Et moi, je vais chevaux, chevaux. Vas-y, avance, avance jusqu'à l'entrée, là. Bah, il y a une fille. Ouais. Qu'as-tu dit pour les internautes? Ça va, oui. C'est parti. Oui, le show commence dans combien de temps? Il commence dans 20 secondes. Aïe. Bon les gars, le show commence maintenant. You are clearly an AP tout le temps. I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. Du coup, là, on a fini le premier passage. C'était top. Là, je suis habillée en baseball girl. Mais j'ai pas de batte de baseball, malheureusement. Sinon, j'aurais frappé Roby. Arrête, frère. Tu calmes. J'aurais mis une grande patate dans sa tête. On va faire une interview. Elle est en Madame Pizza. Bonsoir. Mais si, voilà. J'ai pas de baseball. Je regarde pas parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il veut m'avoir, mais bon, il m'a eu, hein, je vais pas mentir. C'est tapé quatre fois. Tu veux nous montrer quoi, Roby? Bah, en fait, par terre, elle a fait tomber un truc. En fait, par terre, ça veut rien dire. Mais voilà. Là, normalement, je dois taper vous. Voilà. Alors, du coup, je fais la croix. Je tape. Voici Maribou. En quoi êtes-vous habillée aujourd'hui? En pizzaïolo. Pizzaïoleuse.
en livrant une pizza, je sais pas. Oh, il y a l'agneau qui t'avait dû fermer le... Ouais, je... L'agneau. Alors là, il y a le petit souris d'agneau, donc pour l'instant, je ferme pas la ceinture. Allez, donc nous avons Madame Tomate, Madame Pizza et Monsieur Tomate. Déjà, ils vont vomir, là, je bouge trop, là. Ah ouais, ah ouais. Et si je fais ça? Monsieur Tomate. Le zizi de Monsieur Tomate. Zizi. Tu veux mon zizi? Oui. Ah, merci, boss. Non mais objectivement. Bah moi j'aime bien. En fait c'est l'effet de la tenue, mais est-ce que t'as déjà joué à Mario Kart? Oui. Est-ce que tu penses qu'il a une casquette qui est pas comme ça? Ouais, au problème. Voilà les nouvelles petites tenues. Un bambo bébé. Un bambo bébé. Moi c'est Luigi. Ouais, moi je suis la casquette frère, elle est là. Voilà, donc moi je suis en chauffeur de train. C'est le contrôleur SNCF. Et là on a le plombier. Voilà. Elle est où Ah, elle est là. Elle a pompé comme ça. Et là on a un autre contrôleur SNCF. It's a pee. Est-ce que tu peux fermer s'il te plaît? Oui, pas de sang. On y va. Pas de copain. Aïe aïe aïe. Passage. C'était très bien. Alan s'est très bien débrouillé. Madame c'était Jeanne. Incroyable. Franchement, première fois au Grizzly. Franchement, le Grizzly, moi j'aime beaucoup personnellement. Nous aimons le Grizzly, effectivement. Très grande boîte, très spacieuse. Est-ce que tu vas aller bouger tes fesses Je pense. Il y a moyen. Il y a moyen. Ok. Et toi Oui. D'accord. Suivant. Elle est où la dame? Qu'est-ce que vous faites? Ah, un problème de raccord. J'ai mis ma grosse tête dedans. J'ai une petite queue de rat. Elle coiffe sa queue de rat. Ouais. Comment vous avez trouvé cette première fois au Grizzly? Super, une trop belle boîte, très très grande boîte. Trop belle. Tu t'es bien amusée? Oui, je me suis bien amusée. T'as aimé les... Oh, frère. T'as aimé les Mario Kart? Ouais, trop bien. Meilleur costume. Je change de façon, je vais trouver. Ça marche pas. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça, chaud. Moi, t'es trop blanc, je vais me mettre comme ça. Mais en fait, j'ai un front, il fait 14 km à peu près, tu vois. C'est un carnage. On a eu une carte. Un petit atterrissage. Ok, super, très gentil. J'ai oublié. Ah merde, on le voit pas. Du coup, t'as aimé le... Toi, t'étais en quoi? Wario, arrête de dire ça. En Wario, est-ce que tu as aimé Wario? J'adore parce qu'il est trop méchant. Et moi, j'adore les méchants. Ok, bah voilà, bah c'est super. C'était trop bien, le public, top du top. Est-ce que tu vas aller bouger ton fiac Vous y allez dans la boîte? Vous y allez? Je pense. Je suis grave chaud. Elle est où Mélissandre. Ah, la fille. Mélissou. Est-ce que tu vas aller bouger ton fiac dans la boîte? Peut-être, peut-être pas. Peut-être. Vous le saurez en regardant la suite du blog. Ça dégage. Alors, on doit t'interviewer Zemandi. Alors, comment ça a été? Bah écoute, c'était...
amazing. Putain, j'ai cru qu'il avait chié. T'as chié. Il a envoyé une bombe. Non, c'était lourd, j'ai kiffé. Merci pour l'invitation, c'était très 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 lourd. Il y a pas de quoi, c'est bon, pas moi qui t'ai invité, mais... Grand plaisir. Alors les gars, comment ça a été? Super. Super. Très cool. Vous avez pas glissé de vos podiums? J'ai failli glisser à côté de toi à un moment donné, ça a glissé. Moi j'en ai un. Ah. Quelqu'un l'a renversé là. Lui, il a failli faire une petite chute. Ouais, à la fin. Mais c'est oui. Doreen, elle me donnait la main. Voilà, on a évité le pire. On va tout sur toi, moi. Ah bah, il faut pas compter sur moi, je suis pas fier. Mais bonne expérience. Ok. Nouvelle danse. Nouvelle danse. Ouais, c'est un peu afro. Nouvelle danse débloquée, pour le sang cul, donc là, ouais. T'as twerké? Là, twerké un peu, ouais. Oui. Ça, là. Pour une fois. Bon, les petits potes, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit abonnement et un petit like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout plein. Cœur sur vous.